Ha ha ha!
Harry, Harry, Rocco, and Brenda.
C'est valé par un temps pareil. C'est pour quelques doutes qui vont m'empêcher de me faire la belle. La lumière. Je vois la lumière. Ah, Hachon, t'es lumineux. Il est mon guide, mon grand Manitoutou. Tu nous entends, Joe? C'est nous, tes frères. T'as pris un sacré coup de foudre. Et je me sens bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive? Ouah, t'es devenu magnétique. L'orage t'a transformé en aimant vivant. Mais ça veut dire que je peux m'évader? Si quelqu'un place un aimant dehors et que je me mets près du mur, je vais être attiré et je pourrai escalader le mur sans aucun problème. Oh, t'es un vrai génie, Joe. Et nous, Joe, on n'est pas devenu magnétique comme toi et on n'est pas en fer. Et vos boulets, c'est de l'éponge peut-être. Et puis, il nous faut un complice à l'extérieur. Un aimant géant? Mais où je vais trouver ça? Chez le boucher? Je te fais confiance, ma. Lidlton, fin du parloir. Au revoir, ma. Et maintenant, on se fait surtout pas remarquer. Ça va pas être facile. Je vois plus qu'une solution, hein. La dynamite. Non mais ça va pas, non.
Remarque, je connais bien un docteur, mais il n'est pas vraiment reconnu par l'Académie de médecine. J'ai une verrue sur le feu. Passez en tipi d'attente. Il y a eu un sens, Snoobib. J'appelle pas ça démagnétisé, moi. Même tronçonné. Ça te va pas si mal que ça? Je trouve que ça te donne un petit côté art moderne. Ah, cela dit, on est libre. Et c'est ça le plus important. Il est par là, je le sens. Attends-moi, grand Manitoutou, je serai ton disciple. Incroyable, c'est la première fois qu'il renifle une piste. Allez, Joe, encore un effort. Dans quelques kilomètres, on est en Californie. Ouais, c'est juste à côté de la Cosse. La Cosse? Ben oui, un cimetière de vieux chariots, on peut y trouver plein de pièces détachées. Tiens, je croyais la casse beaucoup plus loin. Mon maître. Plus un geste, les Dalton. Il manquait plus que l'orage en plus. Ça y est, Joe, t'es plus magnétique. Eh oui, tu peux retrouver tes jolis barreaux de fer, hein. Ouais, retour à la casse départ. Casse départ, c'est bon ça, hein. Nous sommes en direct sur la piste du Flapacha, les yeux et les oreilles grands ouverts. Ça fait des heures qu'on marche pour rien. On rentre? Bonne idée. Comme ça, je pourrais me reposer un peu en faisant quelques exercices de maths. Ok, d'accord. On regarde juste ce qu'il y a là et on rentre. C'est pas cet endroit. Yaha! Ça ferait un super skatepark. Ah! Oh! Le pauvre, il a dû tomber du nid. Sauf que il y a aucun nid au-dessus de nous. Bizarre. Ouais, super bizarre. Bon, on rentre. On peut pas laisser cet œuf comme ça. Je crois que si. Mais s'il n'est pas prouvé par ses parents, il ne pourra jamais éclore. Peut-être qu'il a plus ses parents. Oh, on le ramène au camp. Tremblement de terre. Cacher. On n'a qu'à le mettre dans ma cabane. Eh oh, t'es gentil, mais ta cabane, c'est aussi la mienne. Brian, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Mais tu t'en occupes tout seul. Compte pas sur moi pour le couver, hein. Merci, Brian. T'es trop cool. Trop classe, les projecteurs. On dirait une séance de photos de mode. Sauf que là, c'est pour faire éclore l'œuf avec la chaleur. Et non, Squeak, c'est pas pour une omelette. On sait même pas ce qui va sortir de votre truc. Je te préviens, Malik, si c'est pas un bébé python, on le garde pas. Un bébé python? Mais non, y a pas de python par ici. C'est sûrement l'œuf d'un animal très gentil. Les enfants, c'est
l'heure du goûter. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet œuf? C'est pas un œuf, c'est un ballon de rugby que Brian a fait à l'atelier poterie. J'ai hâte de voir s'il rebondit bien. Et les lampes, il sait pourquoi faire? Parce qu'il est pas encore sec. Il a bougé? Pas du tout, c'est vos lunettes. Elles sont sûrement très sales. Ah, ça doit être ça. Oh, merci. Allez, maintenant, au goûter. T'inquiète pas, je vais vite revenir. Déjà volé quand même. C'était toi dans l'œuf? Promis-mi, la petite motte. On dirait de la terre vivante. Apparemment, notre nouvelle amie a adopté Malik. Nous fait pas rire, comme s'il s'y connaissait en bébé. Évidemment que je m'y connais. Tu parles d'un expert. T'as pas compris qu'à la fin, c'était pour qui le bon Lolo? Prends-en de la graine. T'aimes pas trop le lait, hein? On va essayer autre chose. Tiens. Bah dis donc. Hein? Logique, non? Une petite motte de terre, ça mange de la terre. Pas vrai? Allez, viens. Je vais te lire une histoire. Finalement, il se débrouille bien. C'est mon livre préféré. On devrait peut-être les laisser un peu tranquilles. C'est l'histoire d'un petit ver de terre qui part en vacances à la montagne. Je savais que ça allait te plaire. Les gars, elle est partie! Qu'est-ce que c'est que ça? Une taupinière? Une taupinière dans le camp? C'est très vilain ce que tu viens de faire. Et puis, il faut éviter que les grands te voient. Madame la directrice, les taupes nous attaquent. Et ça, c'est le potager d'Odile. Madame la directrice, la taupe était là, tapie dans son trou. Mais oui, Hippolyte, mais oui. Elle a dû aller ailleurs. Bien sûr. Le potager. Mes tomates. Moi qui avais mis du terreau tout frais. Je vous l'avais dit, bientôt tout le potager sera ravagé. C'est la guerre. Une pelletée pour Lisa, une pelletée pour Matt, une pelletée pour Greta. Eh, hey, y en a qui essaient de lire ici. Ah ouais, excuse-nous, une pelletée pour Brian. Regarde Malik, on l'a fait pour la Matt. Mais c'est une couverture de fille. Et alors? Qui te dit que c'est un garçon? Bonne nuit, Brian. Bonne nuit, petite motte.
Je vous présente mon invention anti-taupe. Démonstration. Impressionnant, non? Oui, Hippolyte. Oh, les taupes vont disparaître à coup sûr. Avec un bruit pareil. De mieux en mieux, le camouflage. Vous allez où comme ça? Je l'emmène faire un tour en poussette. En brouette. Faites attention, Hippolyte cherche partout la meute pour l'aplatir. Ben dis donc, qu'est-ce qu'elle a grandi? C'est plus une meute maintenant. On dirait carrément... Matt, fais voir ton téléphone. C'est un bébé colline. Oh, le scoop énorme! Ce qui est énorme, c'est la colline qu'on va finir par avoir au milieu du camp. Faut la ramener chez elle avant qu'il ne soit trop tard. Non! Elle reste avec moi! T'as encore grandi depuis tout à l'heure. Hippolyte, viens par là! Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois que sa famille lui manque. Tu as raison, Lisa. Il vaut mieux la ramener chez elle. Il n'y a plus qu'à trouver un plan pour arriver à la sortir d'ici. Squeak, t'es génial! Elle est drôlement pressée d'y arriver. Attends, tu vas trop vite. Si tu crois m'échapper en te cachant dans le potager. À votre avis, c'est laquelle, sa mère? C'est ta maman? Faut croire que oui. Et elle a l'air d'avoir encore une dent contre nous. Salut, mon pote. Sois heureux avec ta maman. Une dentelée en souvenir? Génial! Ça va faire une chouette histoire pour ton blog. Et on peut dire merci à Squeak. Il l'a bien mérité. Ah, c'est quoi cette odeur? Ah, au fait, faudra pas oublier de rendre sa chaussette à Brian. C'est la seule paire qu'il a. Ne vous inquiétez pas pour moi, madame la directrice. J'ai eu le dernier mot. Le potager est hors de danger. Non. On mange quoi ce soir? J'ai commandé des pizzas. Encore? C'est la cinquième fois cette semaine. Vite, j'y vais. Oui? Quatre fromages? Faites-moi plaisir, gardez la monnaie. Merci. De rien, c'est moi. À très bientôt, vite, hein? Et...
une vraie petite midinette, hein. Où est passée la farouche Takako? Eh oh, joue profil bas, hein, parce que toi avec Jennifer... Quoi, moi avec Jennifer? Ça n'a rien à voir. Jennifer est avant tout une brillante étudiante. C'est normal qu'elle m'impressionne. Mais ton roi de la pizza sans cervelle... Sans cervelle? Non mais regarde la complexité d'une pizza. La structure circulaire, la répartition des pépéronis, la gestion thermique des différents matériaux. Bosser dans la pizza, c'est pas donné à n'importe qui, hein. Tu me permets d'exploser de rire. Boum. Fais-toi embaucher si c'est si facile. C'est ridicule. T'as peur, c'est ça, hein? Ouh, il a peur de pas avoir le niveau. Oh yeah, brave Jean. Hubert se dégonfle. Ok, je vais passer l'entretien. J'y crois pas. Il y a même une épreuve de physique nucléaire. Monsieur Hubert, parlez-moi du premier principe de la thermodynamique. C'est très simple. Je vais peut-être prendre un ou deux cours particuliers, hein? J'en ai pas vraiment besoin, c'est juste pour le plaisir de retourner à l'école. C'est pour moi! Bonjour. Eros Apollonides, votre professeur de physique. Allez, un peu de concentration et tout se passera bien. Comme je vous disais, mon travail à la pizzeria est temporaire. J'espère décrocher un poste de chercheur à l'université. Mais je suis sûre que vous allez trouver Eros avec tous vos talents. Alors, cet exercice? Il a pas l'air, hein, mais il est intelligent. Son problème, c'est qu'il ne s'applique pas. Oh, si seulement il voulait s'y mettre. Hein? Voyons ça. Bon, on va reprendre au début. Combien j'ai de doigts? Tu as les bases, petit. À toi de jouer. Et fais un effort pour une fois. T'es pas ma mère, hein? Je suis pas sa petite copine non plus. Vous, tu restes prendre un verre? Désolé, on m'attend. Alors, qui est-ce qui a été embauché? Umberto! Eros n'est pas là? En congé, je le remplace. Avantageusement, hein. Poivron, anchois? Viens là, toi! Tu quittes ce petit ton méprisant! T'as été embauché, ok. Mais t'es loin d'avoir le niveau d'Eros. Parce qu'il n'y a pas que la physique nucléaire dans la vie! Il y a quoi? Le physique tout court! Tu peux développer? Moi, ça manque d'animalité. Et de l'assurance! Le livreur de pizza, c'est le chevalier des temps modernes! Ya, ya! Là, là, tout doux, bijou. Poivron, anchois. Pizza. Désolé, j'ai une livraison express. Viens avec toi. T'es pas ma mère. Je suis pas ta mère, mais je suis ton coach, ta conscience et ton ami. Mon ami? Au premier beau gosse qui passe, j'existe plus. Il est chou, hein? Il est parfaitement fade. Oui, oh, toi, c'est pas mieux, hein. Elle a le charisme de chihuahua, ta Jennifer. Les chihuahuas sont très intelligents et très raffinés. Hubert,
Ah bah, je savais pas que vous étiez livreur de pizza. Félicitations pour l'embauche, petit. Tenez, gardez la monnaie. Bon ben, je t'invite au resto. Chinois alors.